Je dois trouver un médecin. Oh, mon bras! Salute. Vous pouvez me soigner. Ah, voyons ça. On ne peut malheureusement pas soigner ce type de blessure chez quelqu'un de votre âge. Voici de quoi calmer la douleur, en attendant de cicatriser. Grazie. La plupart des docteurs vous auraient conseillé les sangsues, mais elles sont peu efficaces contre ce genre de blessures. Mais par contre, je peux vous recommander plusieurs confrères dans la ville. Il vous fallait autre chose? Besoin d'une saignée? J'ai des sangsues toutes fraîches. Quelqu'un de mon âge. Imbécile. Mesdames, vous êtes priées de ne plus découvrir la boue. Quelque speech, l'open. Faites un peu attention, messieurs. Mon doigt. Authentique Romulus des temps modernes. Qu'un paysan a résisté aux gardes qui étaient venus l'arrêter. On va lui montrer ce qu'il en coûte de défier les Borgia. Machiavelli attendra. Nous vivons dans un monde sinistre et misérable. Ils ont encore inventé une nouvelle vie. L'archevêque a eu la bonté de venir se rencontrer. Je vais devoir vendre notre maison. Je sais, c'est terrible, mais malheureusement, c'est la seule solution. Je ne peux pas payer. Je suis tombée sur un autre corps dans la rue.
péter. Ils veulent toujours plus. Toujours plus de travail. Les gardes voulaient interroger ma nièce. En effet, elle a 13 ans, elle ne quitte jamais la maison. De la récente épidémie de syphilis. Le Saint-Siège a entériné le nouveau corps de Covid. Elle était très belle. Elle l'était. Jusqu'à ce que ce porco la déshonore. J'aurais préféré qu'il la tue. J'aurais préféré qu'il tue la mia amata. Même ceux qui l'avaient vue grandir ont ri quand il lui a craché dessus. Et il souriait quand on lui a passé la... Oui, je comprends. Vraiment. Ma Livia a été innocente. Ma famille aussi a été trahie. Et pendue. Le bourreau me surveille depuis sa demeure, du haut de cette colline. Il menace de me pendre si je coupe sa corde. Quand tu seras prêt, descends-là. Je vais m'occuper moi-même de ce bourreau. Tu as fait du bon travail. J'ai déjà fait mieux. Tout dépend de la qualité des matériaux, en fait. La mort va te chercher! Requiescat in pace. Il va finir par se casser quelque chose. Rira bien qui rira le dernier. Le sere per mangiare. Pour passer devant mon échoppe sans s'arrêter.
J'en ai assez de ce quartier. Je n'ai plus rien à faire ici. Ezio, je suis surpris de te voir ici. Tu ne m'as pas fait demander ? Mais non. La nouvelle de l'attaque de la villa a fait le tour de la cité. Nous étions persuadés que tu étais mort. Pas encore. Je me sens même très vivant. Les Borgia ne doivent en aucun cas découvrir que tu leur as échappé. Suis-moi. Et pour une fois, fais en sorte de ne pas trop attirer l'attention. Pour qui me prends-tu ? Tu devrais songer à t'acheter tout ce qui te manque. Tu ne vivras pas longtemps à Rome sans équipement. J'ai ma lame sur moi. Et les gardes ont leurs armes à feu, grâce à l'argent des Borgia. Heureusement, je suis là. Grazie. Vu que tu es mon débiteur, peut-être écouteras-tu la voix de la raison. Si je l'entends, je te fais signe. Tu as ma parole. Soyez pas timide, cette hache... Si vous passez dans le coin, venez me voir. Bene. Maintenant, tu vas pouvoir regagner Florence sain et sauf. Sauf que ce n'est pas là que je me rends. Ah. Il n'y aura de paix que si nous nous dressons contre la famille Borgia tout entière. Et contre les Templiers qui les servent. Tu n'as pas fait montre du même courage à Monteriggioni. Comment aurais-je pu me douter qu'il me retrouverait si vite et qu'il tuerait Mario ? Rodrigo s'est entouré de serpents et de meurtriers. Il a fait de sa propre fille, Lucrezia, l'une de ses armes les plus redoutables. Mais même elle fait bien pâle figure à côté de celui qui a commandité l'assaut de la villa. Son ambition, sa brutalité et sa cruauté dépassent l'entendement. Il se moque bien des lois des hommes. Il a assassiné son propre frère pour accaparer le pouvoir. Il ignore la peur et la fatigue. Ceux que son épée épargne s'empressent de le rejoindre. Les puissantes familles Orsini et Colonna ont été forcées de se prosterner à ses pieds. Et il compte le roi de France parmi ses alliés. Donne-moi son nom. Cesare, commandant des armées du pape. Que compte-t-il faire de ce pouvoir ? Où puise-t-il sa force ? Je n'ai pas encore de réponse. Mais Ezio, Cesare a des vues sur toute l'Italie. Et à l'allure où il progresse, celle-ci lui sera bientôt acquise. Est-ce de l'admiration que j'entends dans ta voix ? Sa volonté fait loi. C'est une qualité plutôt rare par les temps qui courent. Ce ne serait pas mieux à cheval. Rome est très vaste. Cesare est en train de conquérir la Romagne. Le pouvoir des Borgia s'étend un peu plus chaque jour. De fait, ils se sont arrogés les quartiers stratégiques de la ville. Nous ne pouvons utiliser les écuries. Oh, tous doivent se plier à leur volonté maintenant. Mais que veux-tu dire par là, Ezio ? Tu sais très bien où je veux en venir. Est-ce qu'au moins tu as un plan ? Non, j'improviserai.
Jamais dû t'en prendre au Portia, assassin! Tuez-le, Ragazzi! Quoi? Tu as le culot de te montrer dans un quartier contrôlé par les Portia? Allez, faites-le saigner! Forza, Portia! Quoi? Tu as le culot de te montrer dans un quartier contrôlé par les Borgia. Je n'aurais jamais dû t'en prendre aux Borgia, assassin. Tuez-le, Ragazzi. Quoi? Tu as le culot de te montrer dans un quartier contrôlé par les Borgia. Je n'aurais jamais dû t'en prendre aux Borgia, assassin. Tuez-le, Ragazzi. Allez. J'aurais jamais dû t'en prendre, j'aurais jamais... Allez, faites-le saigner! Forza, Borgia! Quoi? Ne sois pas naïf. Ce n'est pas en tuant une poignée de gardes que les habitants te laisseront utiliser leurs écuries. Tu as raison. Il faut leur envoyer un signal. Attends ici. Laissez passer. Il marche. Vous devez tous obéir aux gars. Qui ont prié pour lui, alors qu'il était en déplacement. Le père de Donald Persia était chargé de veiller. On dirait que les écuries sont maintenant ouvertes aux clients. Après toi. Le scénario d'Iroma lance un appel au bon sens des citoyens qui pillent les briques et le marbre des vestiges architecturaux de notre belle ville. Récemment, c'est une friction colisée qui s'est effondrée, tuant un... Demande aux habitants de ne plus jeter aveuglément. Même si ces derniers ont été soigneusement emballés. Par ailleurs, veuillez noter que le boomerang se servira dans les caisses de la ville pour faire remplacer son pourpoint. À sa propre demande. Tu es doué pour ouvrir les blessures, Ezio. Mais sais-tu aussi les refermer? Je m'attaque au cœur de la maladie, pas à ses symptômes. Viens-en au fait, veux-tu? D'accord, parlons sans détour. La mort de Rodrigo Borgia n'aurait rien réglé. Permets-moi d'émettre des doutes. Regarde cette ville. Elle incarne l'autorité des Borgia et des Templiers. Tuer un homme ne changera absolument rien.
C'est pourquoi nous devons tarir la source de leur pouvoir. Aurais-tu dans l'idée de t'en remettre au peuple ? Pourquoi pas ? Ceux qui s'appuient sur le peuple bâtissent sur du sable. Tu as tort. Notre foi en l'humanité est au cœur de la confrérie des assassins. Ta foi vient d'être mise à rude épreuve. Allez, récupère l'argent qu'il t'a volé. Je t'attendrai au Capitole. Je dois y retrouver l'un de mes informateurs. Rends-moi mon argent ! Reviens ici ! Va-t'en vite, avant que je ne regrette de t'avoir épargné.